Bonjour à tous, on doit être tous égaux face à la religion. Voilà la conviction d'Eva Joly qui pousse la candidate des Verts à faire cette proposition que les fidèles des trois religions du livre, le christianisme, l'islam et le judaïsme, aient chacun droit à leur jour férié. Je veux que les juifs et les musulmans puissent célébrer Kippour et Eid el-Kébir lors d'une chose férié. Je propose que la République s'assure que chaque religion bénéficie d'un égal traitement dans l'espace public. Alors, cette proposition fait beaucoup réagir. Que disent les principaux intéressés, les responsables religieux? Nous avons joint ce matin Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Quelle est sa position? C'est une bonne proposition pour l'ensemble des musulmans de France, qui sont des citoyens français. Ce serait une avancée dans l'insertion du culte musulman dans la société française. Que les musulmans se voient reconnaître que le grand jour, là, le jour essentiel, l'Aïd el-Kébir, soit reconnu comme chômé férié, me paraît répondre à une revendication extrêmement ancienne des musulmans. Ce serait naturel. Ce serait une vision tolérante, égalitaire, gratifiante pour ceux qui, pour qui la pratique de l'Aïd el-Kébir représente beaucoup. Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, avec Émilie Vallet.